Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Recoucou. Pourquoi je remonte dans la voiture? Je comprends pas, je vais redescendre immédiatement. Je vais tenter une autre approche. Une petite, hein, sans non plus m'emballer. Parce que moi, franchement, j'aurais été le développeur. J'aurais, voilà, créé une porte comme ça. Et j'aurais fait passer, en fait, les gens à l'intérieur. Buzz territory. Voilà. Ce genre de chemin, en fait. Ça m'avait l'air un peu logique, en fait. Mais c'était pas dit que ça allait être comme ça. Hein. Ah, c'est ça qui gueulait comme des lapins. Voilà. Au revoir, monsieur. C'est un trichard, parce qu'il était normalement au sol, hein. À mon avis, on va être servi. Hein. Là, je vous garantis qu'il y aura des trucs assez spectaculaires là-dedans. Ah bah voilà pourquoi j'ai pas réussi tout à l'heure. Encore un petit effort, là il est assommé, il va s'énerver. Je vois qu'il y a des jolis trucs à faire finalement. À mon avis, c'est pas encore fini. Hein. Plus je l'aime pas lui, comment il m'énerve. Et une petite carte, je rien pour toi. Ah, regarde, elle va être toute belle. Non, putain, ça lui a rien fait quoi. Attends, parce que lui, il faut que j'essaie de l'avoir par la ruse en fait. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Va se transformer. Il va se retransformer. Oh, il m'a énervé, lui. Hein. Lui, franchement, il va se faire cuire un œuf. Hein. Bon, là, il y avait des trucs assez intéressants. Un portrait de famille. Comme par hasard, faut aller totalement de l'autre côté. Merci. C'est sympa. Donc j'ai repéré de la ferraille partout là. L'autre ferraille, la voilà. Ce qui est bien, c'est que j'ai même pas fait attention qu'il y avait un pâté pour toutou. Donc du coup, je l'ai pris. Donc le pied de biche va nous servir à ouvrir cette magnifique boîte. À mon avis, il y aura des pièces de ferraille dedans. Voilà, et ça y est, c'est tout ce qu'il y avait. Et ben dis donc, des fois ils me font rire en fait avec toutes leurs conneries. Hein. Donc moi je m'embête en fait à pouvoir rentrer dans ce genre d'endroit pour finalement trouver que des petites bricoles en fait qui vont pas nous servir à grand chose. Mais bon, vu que ça fait partie du jeu, j'en profite, mais sincèrement, fouiller comme ça tout le jeu, accroche-toi, il y a de quoi faire. Hein. Par contre, j'embarque la chaise avec moi, elle est trop bien. Voilà, je voulais l'embarquer un peu avec moi. Alors maintenant, je peux voir, c'est que de l'autre côté, il y aura la même chose. Ça sert à rien que je prends la voiture, parce que j'ai déjà repéré l'entrée. À mon avis, c'est au niveau de la queue de l'avion. Ça va, il s'est bien enfoncé quand même. Hein. Eh ben, dis donc. S'il y a une tempête de sable, rappelez-vous que je préfère rester dans la voiture maintenant. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une tempête qui fait mal. Hein. Alors, on a deux options. C'est soit on passe vraiment par là... Ou soit vraiment je me suis complètement loupé, mais je pense que oui, parce qu'il y a une échelle en fait. Et ben voilà, ça y est. Space Mountain est en place. Ça par contre, je savais même pas qu'on pouvait tourner ça. Ça va nous faire quoi ça? Putain, mais c'est quoi ce délire? J'ai tourné juste le truc. Je sais pas, je la tourne. D'accord, tu peux la tourner d'une façon un peu illimitée. T'as quelque chose, ça veut dire, avec cette fameuse manivelle-là.
sont pas sérieux avec leurs conneries. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose ici en bas. Non. Que dalle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une manivelle comme ça? Bon, c'est bon, t'as fini de me vanner là avec ta vanne. Non, mais sérieux, c'est quoi ça? Ah, je viens de comprendre. Regardez, c'est tout bête. Déjà, mais c'est quoi, Body? Je crois que c'est l'ampoule qui descend. Non, mais sérieux, je sais pas, hein. J'ai juste dit semblant de dire quelque chose, mais non, sérieux, je sais pas. Bon, c'est là, tant pis. Je reprends le scénario, vas-y. C'est bon. Il y en a marre. Moi, je me sauve. C'est du n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc là, j'en ai encore une. C'est là-dessus. Là, j'en ai une qui... Oh, il y a 12 ferrailles, là. Putain, elle est plus grosse. Hein. Deux. Là, il y en a combien? Une. Pff, regarde les tailles. Hein. Je retourne sur les 12. 12, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses, à mon avis. C'est qu'on a un élément caché. Max, cours plus vite, s'il te plaît. On va repasser en arrière, s'il te plaît. Allez, Gollum. Parce que franchement, j'ai pas compris celle-là. Après, ils m'envoyaient pas des messages privés. Ouais, Body, mais c'était ça. Non, mais laisse-moi tranquille. Hein. Je m'en fous. Je suis plus là. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Donc, le meilleur moyen, c'est d'aller rapidement par ce petit raccourci. Mais ils ont des coins vraiment très isolés sur la carte. Hein. Ah, tu vois, j'avais raison que c'était là. Regardez ce raccourci de mythomane. Donc 12 ferrailles là-dedans. Et s'il vous plaît, par où on rentre? Bonne question, Body. Bah, par la porte, voyons. Ouais, ta sœur. C'est pas par là que tu rentres. Eh ben dis donc, c'est chaud quand même la rentrée. Attends, Max, il peut passer par où, sérieux, là? Eux, ils indiquent ici. Quoique, attends, il y a peut-être un truc là-bas, un désert ou un truc comme ça, non? Que dalle, ouais. Non mais attends, il se fout vraiment de notre gueule en fait avec certains trucs. Hein. Moi, tu sais quoi, je vais prendre le risque de passer par là. Arrête de mentir, je vais monter sur l'avion. Monte, mais arrête de mentir. Donc, où est-ce qu'il peut passer ce rigolo? Bon, bah, on va le faire à pied. Peut-être que j'ai pas trouvé une faille intéressante. Ah, y a beaucoup de monde, hein, ce que j'entends aussi. Hein. À mon avis, on va bien se bagarrer. Hein. Y a pas une tyrolienne ou un truc comme ça, non? C'est bon, j'ai compris. Du moins, j'ai cru comprendre. Attends, je vais chercher la voiture. Si j'arrive, franchement, c'est ça, je rigole. Attends. Je suis pas certain, hein, mais je pense que ça peut faire partie de ça. Ah, mon cul, ouais. Ça marchera même pas. Hein. Attends. Franchement, si c'est ça, je rigole. Non, rien du tout. Bon, bah, pour entrer dedans, je pense que tu peux oublier complètement de passer par la bonne porte. Je vais le faire à pied, parce que des fois, il peut y avoir des trucs que je vois pas en voiture. Des passages ou des petits chemins. Ils ont vraiment la dalle dans cet endroit. Hein. Mais sérieux, regardez-moi comment c'est vicieux quand même. Hein.
Heureusement que tout le jeu n'est pas comme ça, hein. J'aurais déjà abandonné. Hein. On a trouvé des cachettes comme ça aussi secrètes. À mon avis, je pense que ça c'est un toit. Hein. Il doit y avoir un tunnel quelque part où tu peux y accéder, mais il faut le trouver ce tunnel. Hein. Ouais, c'est ça, hein. C'est un tunnel qu'il faut que je trouve. Oh les petits cons. Et si je passais par les. Par l'avion, je sais pas, peut-être que. Il y a moyen. Négatif, il n'y aura rien. Négatif non plus. Putain, mais c'est dingue quand même leur truc. Hein. Et là, tu te remets à cette position. Ouais, bon, bah, pas facile cet endroit. Hein. Parce que moi, je vois pas d'autre issue. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils fassent bonjour, je m'appelle Max et je voudrais venir juste. Un petit tour. Pourquoi vous allez dire, mais c'est intéressant ici parce qu'il y a 12 ferrailles. Là, il y a quoi là? Non, tu peux pas accéder. Peut-être. Attends, peut-être qu'il y a une autre porte là. Parce que pour moi, il y a une porte derrière. Parce que la route, elle mène là. Mais il y en a encore une autre qui te mène de l'autre côté. Il y a deux accès en fait. Donc il y a le premier accès qui est là. Et le deuxième qui t'emmène là. Donc eux, si je me réfère à eux, c'est là. Mon cul, ouais. Y a rien ici, ouais. Bon, tant pis, je vais pas m'éterniser, mais pour moi, c'est pas là. C'est quoi cette tâche? Non plus. Je vais prendre un peu de hauteur, histoire de. Vous entrez dans le grand rien. C'est pas grave, je rentre dans le grand rien. Donc dans le grand rien. Non mais sérieux, c'est abusé. Je fais quoi moi? Je monte, je saute. Donc laisse tomber, j'abandonne ici. Hein. Donc déjà, on n'aura pas tout vu faire forcément. Dans des endroits comme ça, on croit que c'est facile, mais malheureusement non. Je voulais sauter, mais ça m'a pas marché. Attends, peut-être qu'il y a une entrée toute stupide en dessous le truc. Ouais. Ah, c'est pas vrai. Ils te mettent des fois des trucs que tu comprends, des fois des trucs que tu comprends rien. Bon, nous allons nous enfuir d'ici. Alors, il est où le mec là, le méchant là? Ah, c'est tout. Et c'est loin tous les trucs. Hein. Bon, je dois retourner dans la ville. Je retourne là. J'ai même plus simple pour pouvoir retourner. Je me suicide, ça va plus vite. Je te jure, c'est vrai, je vais vous montrer, vous allez mourir de rire. Ouais, donc malheureusement, on n'a pas eu cette chance. Hein, de trouver l'endroit en question. Ah, c'est pas grave, tant pis. Hein. Qui tente à rien n'a rien. On a juste trouvé, on va dire, un endroit sur les deux. Petreville, ça va quand même, on le voit bien. Oh, c'est bon, je vais pas tous les faire. On va faire les objectifs maintenant, parce que franchement, sinon on va perdre une heure stupide juste à tourner pour ramasser quelques fragments. Moi, je cherchais à bâtir les caisses secrètes, là, mais visiblement... Tant pis, hein, je vais en amener au moins une forteresse, et après le reste, on verra, quoi. Allez, vas-y. Donc, pour l'instant, on n'est pas pris en chasse. On a de la chance, donc là j'aurai quoi après? Donc le médium il se trouve ici. D'accord, je pense que je vais finir par le voir. On a combien d'améliorations par curiosité? Légende, 5, ça peut le faire. Allez, accélère un peu. Et après je pense que le prochain truc que je vais améliorer, ça va être ma santé encore un petit peu plus. Et aussi le fait de ramasser plus d'objets. Hein. Et transporter peut-être d'autres munitions, je sais pas ce qu'on va... Je sais pas ce qu'il va nous proposer déjà. Déjà ça va. Je me rapproche un petit peu du Petroville là. Mais bon, c'est quand même assez chouette de pouvoir se balader dans le vent. Parce qu'il n'y a que dalle ici en fait. À part quelques petites... Ouais bah en fait ça disparaît en plus. Ça c'est bien ça. En fait il faut rouler ici pour pouvoir les voir. Bon, moi je vous dis à tout à l'heure les amis.
toute façon, je vais me rapprocher de l'objectif. À tout à l'heure.